je vous partager avec vous en fait mon regard d'investisseur en fait en capital, mais aussi avec ma sensibilité pour l'innovation française. Alors, juste un petit zoom en fait. Quand on observe en fait la e-santé, il y a trois types d'innovation. Il y a premier type d'innovation, c'est une innovation purement numérique qui a un modèle en fait de croissance qui est tout de suite assez rapidement global. Et global veut dire en fait beaucoup de capital. Il y a peu en fait de frottement avec la donnée, et donc on peut avoir en fait un développement en fait assez rapide. Donc beaucoup de capital. Deuxième type d'innovation, c'est une innovation en fait du type thérapie digitale. Donc là en fait on a un chemin extrêmement régulé, un modèle économique qui est assez, on va dire, de remboursement. Et il faut donc du coup un essai clinique assez important, donc des fois plusieurs, pour prouver en fait, on va dire, la supériorité de l'effet thérapeutique. Et donc du coup, du capital. Parce que voilà, pendant à peu près de 3 ans, la société n'a pas de rémunération du tout. Troisième type d'innovation, et dernier, c'est l'innovation de parcours de soins. Il y a quelques frottements avec la donnée, et le gros enjeu, en fait, c'est la conduite du changement. On touche à un impact organisationnel, aussi de modification aussi de la prise en charge de l'acte médical, donc nécessité de capital, le temps de cette transformation. Donc, il y a besoin d'argent. Il y a besoin d'argent pour pouvoir, en fait, transformer sur les 5 prochaines années ces sociétés qui sont extrêmement jeunes en leader. Voilà. Et qu'est-ce que nous a appris la crise? La crise est un formidable, la pandémie que nous vivons, un formidable, on va dire, accélérateur. Il faut absolument en profiter. Ça veut dire, en fait, accélérer les business plans. Ça veut dire aussi faire des acquisitions pour prendre assez rapidement des positions, on va dire, des positions compétitives, parce que c'est de ça dont on parle. Pivoter également, donc faire de la croissance externe, etc. Et donc, il y a besoin aussi de capital pour accompagner cette vitesse, cette croissance. On parle en fait de start-up, c'est de ça qui nous anime. Des sociétés, en fait, qui sont capables on va dire, de produire des cash flows sur le long terme. C'est ce qu'on appelle l'hypercroissance et ce qui intéresse en fait les investisseurs en capital. Et donc, du coup, pourquoi ouvrir son capital à des tiers? Parce que c'est ça qui est intéressant. D'abord, en fait, parce qu'il faut pouvoir valider que les investisseurs de la première heure, donc en général, investisseurs qui sont du pays, domestique, du territoire, du premier marché, ont eu raison. Et donc l'entre-soi est extrêmement dangereux. On est là pour créer en fait des leaders, c'est ce qu'on dit. Ça veut dire en fait des sociétés qui sont capables de rayonner mondialement. C'est pas sur juste le territoire sur lequel en fait on agit. Donc avoir en fait d'autres investisseurs en capital qui entrent, ça permet en fait de dire qu'on a eu raison. Ça, c'est la première chose. Ça permet aussi pour le pays, parce que ce que je vous disais en fait au début, c'est que j'ai une sensibilité pour l'innovation française. Pour un pays, en fait, ça permet de renforcer son rayonnement et son attractivité. Son rayonnement se mesure aussi avec la capacité d'investisseurs tiers à investir sur le pays, et donc c'est un indicateur en fait économique important. Il y a également on parle en fait de vitesse. La vitesse est permise par l'exécution. Et l'exécution, en fait, c'est le recrutement des meilleurs, on va dire, talents, en fait, et talents mondiaux. Et en fait, ce qui est intéressant aussi avec la crise, c'est qu'il y a une nouvelle organisation d'aller pour capter les talents. Aujourd'hui, le télétravail montre que ça a permis en fait de développer une nouvelle organisation de travail et du coup l'idée en fait d'aller puiser en fait des compétences partout dans le monde et de travailler chacun de son côté est possible aujourd'hui pour certains types de métiers c'est possible et ces meilleurs talents en fait s'attirent aussi
Parce qu'au capital, il y a un grand nom mondial qui crée de la confiance, qui crée aussi de la crédibilité pour que en fait, ces talents puissent être captés.